quelles sont les valeurs et les principes fondamentaux que le Nambudo met en avant et comment cela peut-il contribuer à l'épanouissement des pratiquants sur et en dehors du tatami. Donc ça, c'est un petit peu tout le sujet de mon intervention hier aux états généraux du Nambudo. Le Nambudo, le Dushu, a voulu faire un Budo. Le Budo a des valeurs et en plus, le Nambudo les décline sous les formes de Dojo-kun que l'on trouve dans le passeport de chaque pratiquant, c'est-à-dire les règles de comportement. Et puis la philosophie du Nambudo avec ses trois principes, avec ses sept forces, avec le mantra du Nambudo, qui fait que pour tout Budo, l'apprentissage technique qui est nécessaire doit à un moment donné être dépassé. Et le dépassement, le côté art à ce moment-là que l'on touche du Nambudo, permet cette réalisation de soi, si tant est que c'est le Nambudo que l'on ait choisi. Mais du coup, si on a choisi le Nambudo, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de, de laurier d'acquis définitif. On est tout le temps en train de bouger, de s'adapter, d'apprendre avec les autres. Il n'y a pas de fin dans sa progression personnelle. Quelles sont les prochaines étapes pour le Cameroun, pour le Nambudo au Cameroun, et quelles sont vos recommandations pour encourager la croissance et le développement de cette discipline dans le pays? Donc là, c'est aussi tout le débat des états généraux qui ont eu lieu hier. Le Cameroun lui-même trouvera ses voies. Il a envie de se développer qualitativement et quantitativement. Donc, il trouvera ses voies et je ne lui conseillerai pas grand-chose, sauf que je lui dirai que nous serons toujours à ses côtés pour arriver à ce développement du Nambudo en général et de la compétition et du Nambudo en général. Donc, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que le Cameroun a un très grand potentiel et qui peut aller très loin. Dès lors qu'ils travaillent d'une manière unie sur le Nambudo. Quels sont les défis auxquels vous avez été confrontés en tant qu'enseignant de Nambudo et comment les avez-vous surmontés? Eh bien, les défis d'un enseignant, ils sont doubles. Il y a déjà, d'une manière très simple, le défi d'enseigner, donc de montrer tout en progressant soi-même et non pas appauvrir ses élèves du fait d'un arrêt de sa progression. Donc ça, c'est le défi personnel. Un autre défi auquel je suis confronté de plus en plus, c'est que j'ai beaucoup un temps essayé d'interpréter ce que disait le Dushu pour permettre à tout le monde d'y accéder, de le comprendre, avec bien sûr son accord. Maintenant, je suis à un moment où il m'arrive de me dire, de comprendre le Dushu et de dire il ne faut pas trop que j'en dise, il ne faut pas trop que j'explique. Parce que si on explique de trop, on risque de rétrécir les possibilités de l'élève. Donc il faut arriver à élargir cette forme d'enseignement de manière à ce que l'élève puisse s'y trouver. La voie n'est pas tout le monde derrière moi, la voie n'est pas tout le monde derrière le Dushu. Chacun dans cette voie a sa personnalité et doit se trouver. Donc mon rôle est de permettre à chacun, chacune et chacun de se retrouver dans le Nambudo, de pouvoir dépasser l'apprentissage technique pour se réaliser chacun, chacune sur cette même voie qu'est le Nambudo, mais de manière différente parce que il n'y a pas deux personnes pareilles. En parlant de différence,
quelles sont les principales différences entre le Nambudo et d'autres arts martiaux? On ne peut pas différencier réellement les arts martiaux. On peut les différencier, mais pas par la technique. On dit pas le Nambudo, c'est pas du judo, c'est pas de l'aïkido parce qu'on fait ci ou parce qu'on fait ça. Quasiment toutes les écoles d'arts martiaux ont des techniques similaires. C'est l'état d'esprit, c'est le créateur qui les différencie. Le Nambudo n'est pas la même chose que le judo, l'aïkido, le shitoryu, le goju-ryu, etc. parce que c'est Yoshinao Nambudo Shusoke qui l'a créé. Donc la colonne vertébrale, c'est l'état d'esprit du Dōshū. Après, peut-être une différenciation qu'on retrouve pas avec les très très vieilles écoles, mais avec beaucoup d'écoles, c'est que le Dōshū a énormément codifié d'exercices, que ce soit en Budō-ho, en Kidoku-ho ou en Ryukoken-Atsuro. Donc le fait qu'il nous ait codifié tout ça nous a donné un matériau énorme dont déjà on ne peut pas dire on va faire juste ça mais pas ça. On a tout. Et après avec ce tout-là, on interprète, on agence, on avance, mais on a un matériel énorme qu'il nous a donné. Alors ça peut-être ça nous différencie. Il m'est arrivé de faire des passages de grade à la Fédération Française de Karaté avec des gens du jury d'autres styles que le nôtre. Et une des réflexions qui m'a été faite souvent, c'est « Il a travaillé votre maître. » Comment pensez-vous que le Nambudo peut contribuer à la construction d'une meilleure société et à la promotion de la paix? Alors là, c'est une vaste question. C'est malheureusement mes vœux de jour de l'an tous les ans. Tous les ans, j'ai des vœux pour la paix, mais si on regarde l'actualité, mes vœux ne servent à rien. Donc, on fait ce qu'on peut. Déjà, entre nous, les non-budokas, un grand groupe d'hommes et de femmes, il y a toujours des dissensions. Il faut être capable de ne pas être d'accord. C'est même bien de ne pas être d'accord. C'est même sain de ne pas être d'accord. Être toujours d'accord sur tout, c'est dangereux. C'est enrichissant de ne pas être d'accord, mais en paix. Et donc, la forme de travail du Randori, la forme de travail du Sotai Randori, c'est une confrontation, donc deux, qui font une unité, qui font un. Voilà, donc, en exagérant un petit peu, je fais de mon adversaire un partenaire, même malgré lui. Et donc, c'est le peu que l'on peut contribuer à la paix dans le monde qui est tellement, tellement mise à mal. Enfin, pouvez-vous nous partager une anecdote ou un moment marquant de votre carrière dans le Nambudo qui vous a particulièrement marqué et qui illustre l'essence de cette discipline? Alors, toutes mes anecdotes, hein, c'est le Dōshū. Je ne peux pas voir le Nambudo en dehors, et encore aujourd'hui, en dehors du Dōshū. Je vois tout le temps le Dōshū. Alors vous me posiez la question, comment se faisait-il que j'étais aussi haut gradé? J'étais tête ceinture noire, premier dan, deuxième dan peut-être à tout casser. Et le Dōshū, un soir, après quelques bières, bu ensemble, m'a dit « Je ferai de toi un sixième ou un septième dan. » Et j'ai souri, j'ai dit « Dōshū, j'ai pas besoin de ça pour être avec vous et continuer à faire du Nambudo. » Et puis je me suis dit « Bon, il a un peu trop bu, c'est impossible. »
Et puis voilà. En fait, je me suis aperçu que le Douchou, quand il disait il faut avoir la carte de sa vie, il faut savoir ce que l'on fait et pourquoi on le fait, lui, il savait ce qu'il faisait et pourquoi il le faisait. Et beaucoup de ce que j'aurais pu penser être des prédictions à l'époque se sont réalisées parce qu'il a voulu les réaliser.